Ce sont tous les gens qui siègent donc au conseil de discipline régionale et vous avez 28 d'entre eux qui siègent sans droit ni titre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de siéger, parce qu'ils, d'une part parce qu'ils ont été désignés irrégulièrement et d'autre part parce que lors de la délibération qui les a désignés étant illégale, eh bien ils n'ont pas le droit de siéger. Voilà, je vous remercie. On va essayer de faire des photos des foncières. C'est pour l'épuration. Ouais, celle qui n'a pas eu lieu en 44. Bon, on n'a pas pu avoir le costume de SS aujourd'hui, désolé. C'est une avocate qui m'a radié déjà en 2008, donc c'est bon. Hein. C'est une des avocates qui m'a radié en 2008. Hein. Et ça revient encore. Ouais. Concert information. Concert information. Bonjour la franc-maçon. Voilà. Bonjour la franc-maçon. Bonjour la faussaire. Bonjour, bonjour. À tout à l'heure. On ne peut pas trouver une plus grosse monstruosité juridique que l'acte d'accusation qui a été proféré, les actes d'accusation proférés contre lui. Donc, c'était évident que je ne pouvais pas ne pas être à ce conseil, quoi. Et je pense que c'est une mascarade. Je pense qu'en plus, ils n'ont pas beaucoup d'humour, parce que nous ne sommes aucunement violents. Nous les caressons même dans le sens du poil. Mais non, c'est des gens qui se prennent, qui sont d'une arrogance, qui se prennent très au sérieux, et qui en fait sont d'une ineptie intellectuelle. Voilà ce que je pense en vrai. Il est avocat, pareil. Il est plus grand temps. Ouais. C'est celui qui fait des rapports disciplinaires alors qu'il est sous le coup d'une accusation non purgée et qui m'accuse d'avoir injurié des magistrats sans avoir été capable de citer leur nom. Voilà le genre d'individu que nous avons au barreau de la Seine-Saint-Denis comme avocat. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo les faussaires. Bravo les faussaires. Bravo les faussaires. Bravo. Bravo les faussaires. Bravo. Il est installé au 74 boulevard Jean Jaurès. À Saint-Ouen. Donc, il n'y a plus besoin d'aller chez lui. Ah non, il n'y a plus besoin d'aller chez lui. Voilà, le faussaire. Bravo, bravo les faussaires, bravo. J'étais avocat depuis 4 mois. Il commençait déjà à exercer des pressions et des menaces à mon encontre. Et le gars, il croit qu'il va s'en sortir. Faussaire, il va s'en sortir. Allez, vous avez un ascenseur. Venez par là, vas-y. Vas-y, avance. Les collabos sont protégés. Ah, c'est plus un collabo, c'est un faussaire. C'est bon. Avec tout ça, la Seine-Saint-Denis va mal. Hein. Comment ça va? Très très bien. C'est plaisir de vous voir. Il y a une partie des faussaires qui sont passées là. Et on attend là-dessous. D'accord, ok. On va un faussaire qui arrive là. Oui. Quelle obédience? Oui, je sais pas. Un faussaire, encore un autre faussaire. Un autre faussaire. Merci d'être venu. Ça va être une audience. Bonjour. Bon, il y a déjà une dizaine de faussaires qui sont passés là. Ah ouais? Ah ouais, ils ont été accueillis comme il se doit, quoi. Et là, on attend la suite, quoi. Bah, ça devrait être normalement assez relativement rapide. Ça devrait être rapide. Ils sont tous récusés, donc ils n'ont pas le droit de siéger. Mais enfin, ce sont des gens qui ont tendance à se croire au-dessus des lois, quoi. Ils ont fait le même coup à Perpignan contre un avocat qui s'appelle Jean-Pierre Sévaer Visonneau. Sanctionné par un faux conseil de discipline, radié par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, qui s'appelle Didier Marchal, et ensuite, il s'est passé quoi ? Quadruple cassation à la cour de cassation. Et il s'avère que tout est frauduleux, tout est illégal, tout n'est que de la combine. Alors, ils ont fait le coup à un autre avocat qui est inscrit au barreau de Lyon, qui s'appelle Alexis Dubruel. Donc, ils l'ont accusé faussement d'être antisémite. Et puis donc ils l'ont radié, pareil, avec une décision qui constitue un faux criminel en écriture publique, une fausse décision parce que le conseil de discipline régionale n'avait pas été constitué conformément à la loi.
Et dans cette affaire précision, il y a une lettre de dénonciation de Alain Jakubowicz et de Albert Lévy. Et c'est à la suite de ces dénonciations que cet avocat, Alexis Dubreuil, qui est installé au barreau de Lyon, a été radié frauduleusement. Il y a une bonne ambiance. Bah, moi, je suis là, évidemment, par solidarité pour mon avocat, mais aussi pour l'homme, parce que je trouve que c'est quand même... On est arrivé à un degré de pourriture absolue. Vous êtes confiant ? Oui. Oui, on va voir. On a affaire à des faussaires, donc... On va voir ce qu'on peut faire. Hein. C'est très spécial. Bon. C'est spécial comme une section. C'est une section spéciale, ouais. Alors, ce que je viens d'indiquer à monsieur, je vous l'indique aussi à vous, vous rangez vos appareils photo, à défaut, vous quittez la salle. Toi aussi, tu rentres, soi-disant. T'es pas président du conseil de discipline. Je vais montrer tes papiers tout de suite. Tu n'es pas président des conseils de discipline, tu es un faussaire, donc tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi et tu es réglé. C'est du rattaché d'irrégularité, vous le savez. Vous le savez très bien. Vous n'avez pas de soucis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ah oui. Pareil. Il est au même niveau que vous. Le conseil de discipline comporte 48 membres. Monsieur, vous je vous vois ici, là, il n'y a pas l'assemblée, il n'y a pas à s'expliquer. Monsieur, allez prendre la place qui est la vôtre. Toi aussi, prends la place qui est la tienne. Tu n'es pas président du conseil de discipline. Tu n'es qu'un faussaire, dis-donc. Un gangster. Ne me tutoyez pas, monsieur. Je te tutoie parce que depuis Saint-Louis, les faussaires, on les tutoie. C'est comme ça. Monsieur, je vous invite à venir rendre ce dossier immédiatement. Non, monsieur, je vais vous le rendre quand j'aurai fait la vérification du dossier pour voir ce qu'il y a dedans, pour savoir si c'est contradictoire. Ça vous dit rendez ce dossier, monsieur. Pas encore, pas encore. Béton, il n'y a pas de vérification. Rendez ce dossier. Ouais. Là, il y a des lettres qui ne m'ont pas été communiquées, monsieur le faux président. Qu'est-ce que ça veut dire ? Forfaiture ! Des lettres qui n'ont pas été communiquées ? C'est pas possible ! Nous sommes dans une farce. Oui. J'arrive. Je vous invite à garder le dossier du faussaire pour le mettre au pénal. Ah ben voilà, vous êtes informé. Vous êtes informé du cas de Philippe Maurice, le faux avocat qui était inscrit. Dont vous avez prononcé la radiation en fabriquant un faux jugement. J'ai été convoqué devant l'Assemblée générale d'un prétendu conseil de discipline qui comporte 48 membres. Donc la moitié, c'est 24. Alors, je ne vois pas ici 24 juges, donc on n'est pas en Assemblée générale, ce n'est pas le conseil de discipline régional. Premièrement. Deuxièmement, je vous demande maintenant, et j'ai souhaité consulter ce dossier, pour y trouver le rôle de l'audience. C'est bien normal. Il n'était pas affiché sur la porte d'entrée. Donc c'est déjà une irrégularité. Eh bien, je vous demande de dresser immédiatement le rôle de l'audience avec le numéro de RJ de l'affaire. Comme je vous l'ai demandé ce matin, par télécopie, je vous ai demandé de m'apporter le rôle de l'audience
avec le numéro de RG de l'affaire, avec le nom des juges qui siègent. Et tout, que tout soit en règle, après, nous procéderons à la vérification d'identité pour savoir si les gens qui siègent sont bien des gens qui ont été élus ou pas élus, s'ils sont récusés ou pas récusés. Voilà. Donc alors, je vous demande de bien vouloir procéder à cette formalité obligatoire, puisque vous pensez être président de juridiction, vous devriez vous savoir ça, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. La réponse de monsieur Détan, s'il vous plaît. Mais c'est moi qui l'ai dit. Allez, Détan, pas discipliné. Hein. Il n'est pas très discipliné. Hein. Ah oui, non, il est timide, président. Timide. Monsieur Détan, la réponse, s'il vous plaît. La réponse est oui. C'est pas compliqué. Vous dressez le rôle, vous mettez sur la liste une croix à côté de chaque personne. Vous mettez une croix comme vous voulez. Hein. Bah on a déjà donné la liste, il n'a pas voulu le faire. Ah bah parce que c'est une justice de caboulard alors. C'est ça. Et toutes mettez les caboules quand vous y êtes. Vous pensez que c'est moi qui suis à côté de la plaque. Pourquoi me faites tant? Donc il faut le nom des juges. Absolument. C'est une obligation et vous avez ici un juge qui vous parle. Ah c'est le juge. Je constate malheureusement qu'après plusieurs reprises, M. Détan n'a pas répondu et il garde le silence. Soit il est psychiquement atteint, soit il est timide, je sais pas, soit c'est un procès réel et un délinquant. Est-ce que c'est un délinquant? Il y a un psychiatre dans la salle. Est-ce que c'est un délinquant? Il y a complot là-bas. Nous attendons prendre le dossier. Mais le dossier. Et nous attendons vous juger selon la loi et pas votre loi, selon la loi française. Rendez-lui. Des intérêts. Nous on attend des opérations. Par précaution, il est là. Détan. Présent. C'est un avocat? Oui, il est là. Il est là? Détan. Bravo. Madame Josine Biton. Présente. Secrétaire. Où est-ce qu'elle est? Ici. Bonjour. Monsieur Éric Grandpierre, j'imagine. En photo. Transformez le dossier, monsieur. Regardez, c'est un magicien. Voilà, en effet. Voilà le dossier. Voilà. Non, le dossier n'a pas été volé. Le dossier n'a pas été volé. Il est entre les mains de la police, c'est une pièce à conviction. Et il est sous la responsabilité d'un personnage qu'on a nommé conservateur. Monsieur Détan, vous avez ici la liste de l'ensemble de la collégialité des avocats qui doit pouvoir répondre oui ou non. Nous avons eu deux anonymes ici qui sont encore en train de siéger. Donc les deux anonymes, s'ils ne veulent pas décliner leur identité... La procédure est irrégulière. Absolument, mais ils sont... Il n'y en a pas deux, il y en a 10. Ah, il y en a 10. Non, mais c'est pire que ça. Bon, il y a 10. Il y a 10 anonymes dans les... Donc le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas compliqué. Je suis convoqué devant l'Assemblée plénière du Voilà, et pour que fond, c'est pour qu'on puisse se tenir dans des conditions normales et oui, je ne pense pas. Donc la procédure est irrégulière, monsieur. Je vous invite à faire revenir le dossier sur ce bureau. Alors, un instant, voilà. Je vais vous répondre. C'est la seule. Merci, monsieur Détan. Voilà, merci. Monsieur Danglars. Je vais vous répondre très simplement. L'Assemblée générale du Conseil de discipline comporte 24 personnes. Titulaire ou suppléant. Donc ici, il n'y a que 15 personnes. Donc vous allez aller chercher ce qui manque, pour commencer. Nous avons atteint le quorum. Nous pouvons siéger normalement. Si le cas revenait, nous pourrions peut-être commencer à siéger. C'est pas ça. Comment vous
pouvez pas vous donner mon nom. Ah, s'il vous plaît, il faut qu'on fasse un peu de conciliation. Fait-on demande simplement pour débuter l'audience de prendre la feuille de présence qui se trouve dans le dossier. Je demande au conservateur de nous donner cette feuille de présence qui est dans le dossier. Elle n'y est pas, elle n'y est pas. Donc, je vous demande une conciliation. Et il n'y a pas de feuille de présence. Elle n'y est pas. Il n'y a pas de feuille de présence. Citation. Comment voulez-vous tenir une assemblée pour 12 ans en feuille de présence? Rapport d'instruction, conclusion de l'unité, il n'y a pas de feuille de présence. Hein. Il n'y a pas de feuille de présence. Que les pièces de François Danglars. S'il vous plaît. Pas de feuille de présence. Ça suffit maintenant, monsieur. Vous êtes un faussaire, vous n'avez rien à faire ici, monsieur, et en plus vous êtes récusé, et vous êtes en train de faire des actes de procédure. C'est une forfaiture. Voilà. Tout dans la douceur. Je constate que le conseil n'est pas en situation de pouvoir. Je constate que le conseil n'est pas en situation. Vous êtes parents de la France. Parce que vous êtes récusé. N'est pas en situation de pouvoir examiner les faits pour lesquels il est saisi. Oui, mais il n'a pas besoin de les examiner, il est récusé. Et que par conséquent, je renvoie l'audience. Je renvoie l'audience. On sera encore là. À une date qui sera communiquée ultérieurement. Alors, merci de vous déporter, monsieur. Merci de vous déporter. Nous allons continuer l'audience. Merci de vous déporter. On va continuer l'audience. Quand même relativement surpris, j'ai jamais vu une aussi grosse quenelle judiciaire. Ah ouais, non, j'ai assisté à quelque chose d'historique. Bien entendu, j'étais radié d'avance. Hein. Donc la composition de la formation de la juridiction n'était pas correcte, c'était pas régulier. L'élection du président était frauduleuse. Et donc, ils avaient quand même l'intention de siéger et de juger cette affaire, alors même qu'ils étaient dans l'illégalité totale. Et ils ont encore eu l'audace. Le faux président du conseil de discipline, François Déton, est en train de déposer plainte pour vol de dossier, soi-disant. Voilà. Vol de dossier, voie de fait. Voilà. Alors que lui-même a essayé de siéger en qualité de président de juridiction, alors qu'il n'a pas été régulièrement élu, et circonstances particulières, bien entendu, c'est lui qui a rédigé et signé le faux procès-verbal actant sa propre élection. Ah, mais on est dans la combinaison complète. Bien sûr, c'est un personnage qui se prétend socialiste et puis qui se réfère aux valeurs de la République. Il était maire de Montmorency, il a été remercié aux dernières élections municipales et manifestement il avait envie de d'entrer dans l'histoire par la petite porte. Ceci dit, vous lui avez pris quand même le dossier des mains. Mais... J'ai pris le dossier pour faire une vérification des pièces, pour constater si des pièces étaient qui a été filmée. J'ai pris le dossier pour faire la vérification, hein, de manière à pouvoir constater si des pièces qui ne m'avaient pas été communiquées figuraient dans le dossier. Et j'ai constaté qu'il y avait déjà des notes d'audience qui avaient été prises en quelque sorte. Et le jugement était déjà préformaté, préfabriqué, si on peut dire. Et d'autre part, la grosse difficulté qui s'est posée, c'est que la justice est publique. Tout le monde a le droit de savoir connaître le nom des juges qui siègent, puisque devant une juridiction civile, on a le droit de faire une récusation. Donc pour pouvoir récuser quelqu'un, il faut connaître son nom. Or,
j'ai demandé à 10 reprises à François Détton de dresser le rôle de l'audience. Le rôle de l'audience, c'est un document officiel sur lequel figure le nom du juge, le nom du secrétaire et le nom des juges qui siègent, et également le numéro de registre général de la procédure. Et il a refusé à 5 ou 6 reprises d'effectuer cette formalité qui est quand même substantielle. Alors ensuite, vous avez bien vu ce qui s'est passé. J'ai demandé à chacun des juges qui étaient présents de décliner leur identité en quelque sorte pour pouvoir moi-même dresser le rôle de l'audience, c'est-à-dire faire le travail du président. Et là, vous avez 100% des juges qui siégeaient qui ont refusé de décliner leur identité. En gros, ils ont imaginé qu'ils pouvaient... c'était illégalité, c'était une juridiction de cagoulards. Et qui fait ce genre de choses? Des gens qui se prétendent socialistes. Excusez-moi, je crois que il va falloir qu'ils... Rien n'exclut que nous puissions porter plainte pour l'illégalité manifeste que nous avons remarquée, contrôlée, en ouvrant le dossier du président. Puisque non seulement les pièces n'ont pas été communiquées, mais le jugement était déjà préétabli. Voilà, cela veut dire une justice aux ordres, une justice qui est une fausse justice, et celle-là, nous les élevons tous contre celle-là. C'est le principe même de la démocratie qui est violé, qui est saboté. Et du coup, M. D'Angléon, l'audience est reportée, est-ce qu'il y a une date? Ah, je ne sais pas. Elle va être refixée. Voilà, l'audience a été reportée, mais il faut savoir qu'en matière disciplinaire, s'il n'y a pas de décision à l'expiration d'un délai de 8 mois, à partir du jour où le bâtonnier, en l'espèce Robert Feller, a porté de fausses accusations à mon encontre, eh bien, intervient une décision implicite de rejet de toute sanction, hein, qui équivaut à une relaxe civile. Et cette date expire le 10 mai prochain, c'est-à-dire dans 3 jours. Donc il est impossible de reconvoquer un nouveau conseil de discipline. Pour l'instant, la situation reste en l'état. Voilà. Bon, ils vont certainement... parce que vous aviez le bâtonnier Robert Feller qui était présent, qui a donc porté de fausses accusations à mon encontre. Il a expliqué à qui voulait l'entendre que nous avions commis une voie de fait, qu'il y avait des infractions pénales qui avaient été commises, alors même que lui prétendait porter des accusations devant une juridiction qui n'était pas légalement constituée. Ce sont des gens qui se croient au-dessus de la loi, et je pense qu'il va falloir maintenant engager une opération main propre dans les barreaux pour sortir de la profession d'avocat les gens qui se conduisent comme des malfaiteurs. Je vais donc déposer une plainte pénale pour faux criminel en écriture publique concernant le procès-verbal d'élection du président du conseil de discipline, et puis les actes qui ont... Ils ont le procès-verbal d'audience qui a été dressé, puisque la secrétaire, qui est une avocate qui s'appelle Josine Bitton, était sous le coup d'une récusation non purgée et qu'elle n'avait rien le droit de faire. Idem en ce qui concerne François Détton, il était sous le coup d'une récusation non purgée. Il avait quand même l'intention de siéger, et les autres juges disciplinaires qui étaient présents pour les barreaux de Meaux, de Fontainebleau, de Sens, d'Auxerre, tous ces juges disciplinaires étaient également sous le coup d'une récusation non purgée. Ils n'avaient pas le droit de siéger, mais bien entendu, ils avaient l'intention de siéger et de me récuser. Il n'y avait pas de problème, la décision était faite d'avance.